Salut tout le monde, petite vidéo là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas posté de session. Tout simplement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent, sur Instagram ou sur Facebook ou même sur la chaîne, au niveau de la communauté, j'ai fait un petit post comme quoi en fait on m'a volé mon matos de pêche il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo depuis un petit bout de temps, parce que j'ai plus de matos. Heureusement il me reste ma petite canuelle. Donc ce que je vais faire là, on est le 31 décembre, je vais me faire une petite session en speed au bord de l'eau là, sur un petit étang que j'aime bien pêcher. Il y a moyen de faire quelques petites perches. J'ai pas ramené grand chose, j'ai juste ramené une petite boîte de leurre, enfin des petits leurres soupe qui me restaient quoi, ce qu'on m'a pas pris. Donc on va essayer de se faire une petite session, histoire d'oublier déjà cette mauvaise histoire, histoire de faire du poisson, de s'éclater, se vider la tête aussi tout simplement. Et puis l'objectif, ça va être perche, ça va être de viser un petit peu les bras morts, parce que je connais bien l'endroit, je sais que les perches peuvent se foutre ici. Et voilà, on va tout simplement s'amuser, s'éclater, puis essayer de faire un petit peu de poisson. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne session. Allez, à tout à l'heure au bord de l'eau. On va commencer par ici, avec un petit kickringer là, de chez Reins. Ah, ça fait plaisir de se retrouver au bord de l'eau là. On va pas l'air trop teinté ici, en plus c'est cool. Allez, le premier lancé. J'aimerais bien taper au moins une perche, ça ce serait cool. C'est pareil, je vais pas être en bonne position. Si j'en tape une, j'espère qu'elle n'est pas très grosse. Bingo, ça va. Le petit escape, hop là, tu t'es repiqué toi ma poulette. Voilà. Bon, ça fait une petite chute. Je vous la montre vite fait. Hop là, oui. Voilà. Ça fait plaisir. Après tant de semaines, la boîte est au bord de l'eau. Elle est magnifique, des belles couleurs, toutes noires. Génial. Allez, attention, faut pas que je tombe avec toi. Tchouf. Elle m'a pris sur le bord, juste là. Ah, cool! C'est que je vais essayer de descendre un chouï sans glisser parce que c'est hyper humide. Voilà, là déjà ça va être un petit peu mieux. Là, voilà. Alors elle était juste ici, elle. Elle m'a vraiment pris sur le bord, je l'ai vu attaquer. À moins qu'elle me suivait. Hein. Mini croc. Ça, normalement, ça devrait marcher. J'espère. Hop. Là, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait, ça. Ose te rater cette attaque. Ça va revenir. Je sais pas si c'était une perche. Il attaque de furieux. Oh, c'était quoi ce poisson? Si c'est une perche, elle va rester roudée. C'est sûr. Elle est là. Elle est pas vilaine. J'ai pas d'épuisette. Je vais essayer de redescendre, mais là si je glisse, je suis mort. On va essayer de la dropper. Oup là, yes. Le pesquette qui fait bien plaisir. Pas très académique ce que je fais, mais waouh, ouais, je t'ai vu arriver toi ma belle.
Bon, et ben non, là d'un bon poisson. Ça fait un beau 25. Attends, poulette. Hop, voilà. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça fait un beau 25, ouais. Cool. Allez. Crac. Bon, je suis vraiment désolé pour les releases, mais si je descends plus, je vais glisser. Et là, ça va pas être bon. 1, 2, 3, tête en première. Oh, un petit plat. Bon, c'est pas très cool pour elle. Je l'avoue, c'est pas très académique ce que je suis en train de faire. J'ai vu une première attaque. Et elle s'est jetée dessus, elle a loupé. Et je savais que de toute façon, elle allait rôder dans le coin. Ah putain, yes, je suis content. Bon, je vais rester à zoner un petit peu par là, on va dire. De toute façon, c'était sûr, ça allait les déclencher. Bon, bah ça fait deux poissons dans le même secteur quand même, c'est qu'elle doit être par là. Et si je relâche tout ici, je pense qu'à mon avis, je vais finir par effrayer tout le monde. Bon allez, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger. Parce que si j'en retape une ici et que je renvoie encore à cette hauteur, je vais avoir encore une déferlante de pouces rouges. Hein, on les connaît. Donc je vais essayer d'en taper quand même sur les secteurs où j'ai un petit. Je suis un petit peu plus bas, on va dire. Allez, go! Bon là les gars, ça fait plaisir. Une belle perche de 25 je pense. Voilà, il me reste plus que ma canne annuelle. Donc là pour pêcher ici, c'est pas forcément évident parce que c'est assez haut. Donc je risque de péter le matériel tout simplement. Mais là je suis refait. Donc heureusement qu'il me la reste. Ma canne fétiche en plus, celle que j'adore le plus. Et elle m'a mis une belle tape et un beau petit combat en plus. Donc c'était vraiment cool. Mais là je vais trouver un endroit où c'est un peu plus accessible quand même pour pouvoir attraper le poisson plus facilement. Allez, on continue. Je suis pas sûr d'en taper dans le milieu parce que je pense que c'est vraiment cette zone là-bas qui est la plus propice. Il y a de quoi se planquer, donc ça m'étonne pas que les perches soient ici quoi. Après on peut avoir des surprises, on va voir, on va taquiner encore un petit peu et voir si on peut en déclencher une ou deux, même plus j'espère. Ils peuvent pas être tous tout au même endroit, c'est pas possible. Je vais prendre au moins une petite tape pour confirmer ce que je pense. Qu'il y a bien du poisson là-dedans. Ça serait pas mal. Bon bah voilà, moi c'est bon, je me rentre. Petite session, mais il n'y a eu que deux poissons. Bon, ça fait quand même plaisir, franchement ça fait super plaisir. Déjà de prendre l'air, d'être au calme, donc franchement ça a été cool. Donc si le petit contenu t'a plu, t'hésites pas, tu le manifestes avec un petit pouce bleu. Désolé pour les releases, c'est vrai que j'étais un petit peu haut, mais bon, ça l'a fait. Je pense qu'elles sont bien reparties. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Donc sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt. On essaiera de reprendre les sessions. Faut que je rechope du matériel, bien évidemment, nouvelle canne parce que j'ai plus de canne. J'ai plus ma spinning, j'ai perdu aussi ma canne S-Pro là que j'aimais bien pêcher avec, ma casting, et puis bah voilà quoi, le reste du matériel. Il me reste que ma petite tuelle pour l'instant. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.